Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 8ème épisode de notre Nuzlocke Random sur Pokémon Insurgents, jeu fanmade sur PC, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve où je vous avais laissé la dernière fois, c'est-à-dire à Mechitown, on était arrivé après avoir assisté à une scène particulière dans l'arène de Sandtouch City, et après avoir traversé toute la route qui nous amène ici par le sud. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, bon, on va explorer un peu les coins, on va visiter un peu des trucs, et on va voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui. Avant ça, je vais aborder juste deux points vite fait. C'est une chose que vous m'avez rappelé dans les précédents épisodes et que je vous avais demandé à l'épisode précédent. La première, donc, c'est le cas de Cleaver, l'insécateur Delta de type Glace Combat qu'on avait reçu par échange à l'épisode précédent. Je vous avais demandé, est-ce que ça vous dirait que je l'intègre à l'équipe ou pas? Et beaucoup ont dit, ouais, on veut voir un Delta. Certains ont dit, il a des IV pourris, ce serait pas génial qu'il remplace Elsa, et d'autres se disent, waouh, tant pis, c'est des IV pourris, au moins pour l'utiliser. Vous avez été une majorité à vouloir intégrer Cleaver à l'équipe, donc, ce que je vais faire, c'est que, par l'expérience passée que j'ai eu du jeu, parce que j'ai déjà fait le jeu une fois, comme j'ai dit, je me lance pas là-dedans à l'aveugle, contrairement à Zeta où il y a certaines choses que je savais pas, je sais que dans cette ville, on a un combat compliqué qui nous attend. Et je pense que pour ce combat compliqué, je vais utiliser Elsa, et une fois que le combat sera terminé, Cleaver viendra remplacer Elsa et on verra comment ils se débrouillent. L'autre truc qu'on m'a rappelé, c'est que c'est à Midnatown, je crois, je peux aller échanger un type insecte contre un Elekid. Et ça, pareil, une fois qu'on aura trouvé le mec du Pikataxi pour voyager là-bas, on ira le faire. Donc maintenant, en plus, comme la FAQ est sortie, que je vous ai expliqué comment je fonctionne, vous savez pourquoi je ne réagis pas toujours d'un épisode à l'autre, mais plutôt tous les deux ou trois épisodes. Et si vous n'avez pas vu la FAQ, je vous invite à le faire, je réponds à ça dans la dernière demi-heure, parce que je veux dire, je vais pas non plus vous inviter à prendre deux heures de votre temps pour regarder un truc, je veux dire, c'est beaucoup, j'en conviens. Mais voilà, bah, vous connaissez le délire. Avant de nous lancer, il est de bon ton de faire un rappel des troupes qui nous accompagnent. En parlant donc du loup, nous avons Elsa, notre sort bébé de niveau 26, qui connaît toujours vent glacé, miroitir, provoque et avalanche. Le star America, fuck yeah! Notre guerrier, le starter que vous avez choisi à l'épisode numéro 1, qui est niveau 27, qui connaît aéropiqué, cruel, retour et aiguisage. Kalash, notre gamblas de niveau 25, qui connaît buldo, dance lame, tourniquet et force poigne. Kitsune, notre Fenard de niveau 26 qui connaît lance-flamme, vive attaque, onde folie et prune protect. Zubida, notre boostifleur de niveau 27 qui connaît fouelliane, sabotage, acide et poudre dodo. Et enfin Mechpoïd, notre goumi ou mucuscule de son nom français. Attendez, je suis juste en train de regarder un truc à la con. Et non, relance pas la vidéo, tu seras gentil. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ok, ça j'ai plus à m'en soucier pendant que ça. Tout sur mon ordinateur portable à côté, faites pas attention. Donc Mechpoïd, notre mucuscule ou goumi, parce que c'est comme ça que je vais l'appeler, parce que je trouve que son nom français pue du slip. Niveau 30, avec patience, draco souffle, danse pluie et fléau. Bien, et pour le combat qui nous attend, j'aurais tendance à vouloir mettre Kalash en tête, parce que il est un peu en retard. J'ai failli dire que c'était une madame alors que c'est un monsieur. Et donc du coup, on va voir un petit peu ce qui se passe. Avant ça, on va faire ce qu'on fait d'habitude quand on arrive dans une nouvelle ville que je n'ai pas eu le temps de faire encore, à savoir parler à tout le monde, parce qu'on sait jamais qu'on puisse obtenir quelque chose de sympa comme des objets. Et me disais, il faut que je vois un peu au niveau de notre thune. On a 5000, ouais. Alors la personnalisation des vêtements, on va attendre que j'ai plus d'argent avant de le faire, parce que c'est... comment dire, c'est un peu le cas du SDF qui préfère s'acheter une bière plutôt que d'aller s'acheter à bouffer quand ils vont vous lui donner une pièce dans la rue. Plus ou moins pareil. Je dis pas que je suis à la rue en termes de thunes, mais le peu d'argent que j'ai en ce moment, à savoir 5562, je préférerais acheter des Pokéballs ou des potions avec ça. D'ailleurs, on en est au niveau potions, tiens. 10 potions, 4 super, on pourra peut-être acheter des super. Pokéball, pour moi, on est bon. Donc, vous savez quoi, je vais retourner là-dedans et je vais acheter des super potions. Je vais en acheter, on va dire... j'ai vu qu'on en avait 4, je vais en acheter 6, ça devrait suffire. Voilà, comme ça il nous reste 1300. Là ça nous permet d'avoir un petit bécule de réserve, ce qui est plutôt pas mal. Allez, on va parler un peu. On va parler un peu à tout le monde. Bonjour monsieur. Ok, donc il n'y a pas grand chose qui se passe dans le coin, très bien. Hop, on va rentrer par ici, avec un Elédel qui vole sur place. Bonjour. Alors, 3000 pour un affaire, j'ai pas 3000 mais je reviendrai. Donc ça encore une... Ça à la limite, vous savez quoi? Je regarde, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut vendre dans notre inventaire? On va jeter un œil vite fait. Là je dirais qu'il n'y a pas grand chose. Là-dedans c'est plus ou moins pareil malheureusement.
En fait, on n'a pas grand-chose d'inutile qu'on peut vendre. Mais je pense qu'on pourrait faire 2-3 combos, on pourrait gagner de l'argent. Si je regarderai si on atteint les 3000 dans l'épisode, et si on le fait, j'irai chercher l'œuf. Sinon, je pense que l'un d'entre vous me le rappellera, et vous savez comment je fonctionne. On l'aura peut-être pas au prochain épisode, mais prochainement. Bonjour! Alors, apparemment, ici, c'est Base Secret Land. Et j'ai failli oublier. Tant qu'on est dans la ville, on peut obtenir la rencontre statique avec la télé, donc c'est parti. Et bien sûr, il y a beau avoir 15 000 télés dans la ville, on a droit qu'à une seule et unique rencontre. Allez! Je sais plus c'est quoi le pourcentage de chance, je crois que c'est 10% à chaque fois qu'on appuie. Allez! Mais des fois... Ah, rencontre, il s'agira d'un onyx. Alors, est-ce que je veux un onyx? Pas sûr. On va tester, on va faire un truc tout con. Est-ce qu'il a fermeté? Parce que moi, je suis un fou dans ma tête. Il a fermeté. Bah, du coup, on va le capturer. Alors, niveau Pokéball, bon, on va utiliser une simple Pokéball de base, allez hop. Voilà, on a un Onyx. Niveau 30, XP pour Kalash qui gagne pas mal, c'est bien. Alors, Onyx, Pokémon Serpent, occupe 1m80, 210 kg. Alors, il possède un aimant dans son cerveau qui l'empêche d'être désorienté, enfin, qui lui permet de bien s'orienter quand il creuse des tunnels. Et... au fur et à mesure qu'il vieillit, son corps devient plus rond et plus lisse. Alors, si t'avais été un mâle, je t'aurais appelé Pierre. C'est-à-dire que moi, quand vous me dites Onyx, je pense tout de suite à Pierre de l'animé. Mais, il nous faut un nom pour une femelle et j'irai peut-être taper dans un nom de pierre précieuse. Alors, on a déjà l'Onyx, mais bon, c'est là que ça vient, donc on va peut-être pas la rappeler Onyx. Une pierre précieuse qui serait grise. J'avoue que je suis pas très expert en pierre précieuse, au pire. J'ai l'internet sur mon ordinateur portable juste à côté. On va faire une petite recherche Google toute simple. Pierre précieuse grise. Qu'est-ce qu'on a? Alors, voyons voir. Les bijoux par couleur. Ben voilà, c'est ce que je veux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, monsieur l'internet? On pourra peut-être trouver un nom intéressant. Alors, rubis spinel, alors rouge, rose, bleu, vert, jaune, or, violet, pourpre, orange, blanc, gris, argenté. Spinel, tourmaline ou fluorine. J'aime bien spinel, je vais t'appeler comme ça. Voilà, comme une pierre précieuse. Parce que pour moi, l'onyx, c'est une pierre précieuse, forcément. Je t'ai parlé à toi, donc on va rentrer dans cette maison. Bonjour. Comment est-ce possible que dans quasiment toutes les régions, il y a un gamin qui sauve le monde des teams? Voilà, je comprendrais s'il y avait une victoire par chance, mais là, c'est pas une coïncidence. Et le pire, ça, c'est quelque chose qu'on se disait à une soirée à laquelle j'étais hier avec des potes. On se disait, mais Pokémon, c'est quand même un monde qui est vachement... on n'a pas trouvé de mot, mais c'est un monde qui est vachement bizarre. Je veux dire, tu mets le chef d'une équipe de criminels. Le mec, il te pond un plan de ouf. Il le met en pour conquérir le monde, tout détruire et avoir tous les trucs à sa botte. Et il y arrive quasiment. Mais toi, t'arrives au bon moment. Et tu le bats en combat de Pokémon. Non seulement, le mec, il renonce à son plan de ouf. Alors qu'il peut simplement sortir un flingue et te dire, ta gueule petit con, je fais mon plan. 2. Il démantèle sa team, il se barre. 3. Il te file de l'argent. Logique, Pokémon. Mais c'est ça qui fait qu'on aime cette série. T'es pas d'accord, les gens? Alors, ok, toi t'as rien d'important à dire. C'était 57 rayons chargés. Qui peut apprendre ça? Personne. Le contraire m'eût étonné. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors, ben, du coup, on va aller voir un peu... Je t'ai parlé à toi? Ok, donc toi t'aimes bien ça ici. Apparemment, il y a les Camis, c'est lequel? C'est les génies, les Camis. Ok, alors voyons un peu les stats de Spinel. Nature neutre, d'accord. IV assez dégueulasse, surtout en défense, malheureusement. Et donc, Gyrobal, Anti-Air, Draco Souffle et Souplesse. Très bien. Voilà, comme ça, on est fixé. Et il ne reste plus qu'à aller explorer une maison pour aller faire le combat que je trouve difficile. Je crois que c'est quand on arrivera sur le pont, juste là. Bonjour. Ok, toi tu parles de l'eau. Amusteboué, bonjour. Apparemment, c'est la maison de Nora ici.
Elle est originaire du coin. Comme dirait le canard. Allez. On va continuer par là. Et voilà le combat dont je vous parlais. Ah mais regardez qui voilà. Hey, salut Babou, comment ça va? C'est moi Nora. Et je vois que t'es enfin arrivé à Melchi Town. J'adore cet endroit. Je vivais ici. En fait, je vivais ici. Et je voulais juste qu'on se rencontre et qu'on parle de trucs. Mais avant ça, on va se battre. Il n'y a pas de secte autour de nous pour tout voir. Alors, si je te montrais pourquoi mon célibi est si dangereux. Voilà pourquoi ce combat est très difficile dans la version non randomisée du jeu. Parce que son dernier Pokémon est un Celebi level 30. Autant dire que vous allez vous amuser. Brouabam, 28. Oh, caca pourri, et j'ai pas soigné, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ultrason, chier. Vas-y, calache. Oh, la baisse de vitesse, ça m'intéresse. Hop. Oh, en plus, sorte de confusion dès le deuxième tour. C'est pas un Roxor, ma Kalache. Ok, avec ça, on devrait pouvoir le mettre KO. Et Kalache devrait pouvoir choper... Oh, mais j'en demandais pas autant. 2038 points d'XP. Oh, punaise. C'est moche. Quasiment deux levels. Grenous, je pense qu'on va switcher et Zubida va s'en charger. Zubida. Alors oui, aussi les combats de rivaux, je vais pas les accélérer avec le truc fourni. On va dire, dès qu'un combat est intense, soit pas important, comme un chef de secte, un champion d'arène ou un rival, je touche pas à l'accélérateur. Bon, eh ben on va faire un petit Fouillian. Et Zubida qui est encore confus. Mais ça n'empêche pas... Oh là, voilà, pas instant karma, bitches. 1222 pour une petite grenouille. Et Zubida qui monte niveau 28. Ensuite, à Flamme Noir, je pense qu'on va switcher. Et qu'on va envoyer... On peut le risquer avec Kalash, allez. Ah, qu'est-ce qu'il peut avoir à ce niveau-là? Il est niveau combien? 28, 29, 29. Ça, je pense que je vais jeter un œil à mon Pokédex portable. Alors, Pokémon... Il t'appelle Hitmore. Voilà. Et je viens de savoir ce que tu connais au niveau 29, mon grand. Au niveau 29, tu connais Étreinte, Danse Flamme, Combo Griffe et Saisie. Autant dire que tu connais rien qui puisse vraiment m'embêter, donc je suis tranquille. C'est parti. Voilà, Saisie. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas les mains sur tout, parce que forcément, je vais pas tout le temps toucher le truc. Voilà, regardez, hop, on s'attaque. Danse Flamme. Ça va, tranquille. Tranquille, ah, tranquille. Live, tranquille le mec, quoi. Ça va rapporter plein d'XP en plus de ça, 1146. Kalash a pris deux levels dans ce seul combat. C'est bien, il rattrape ses potes. Ensuite, Vipère. C'est Vipère. Allez, Kitsune, tu peux te le faire. Je pense que Kitsune serait un bon choix ici. Niveau 29, et ben je vais commencer par utiliser une onde folie. On va profiter de la vitesse de Kitsune pour ça. Bien que soirement, il m'a rendu confus deux fois. Ben, c'est pas mal. Allez, lance-flamme, en espérant que ça suffise. Ouh, il l'a bien tenu. Mais... Est-ce qu'une vive attaque pourrait le finir à ce niveau-là? Je tente. Ah! Ouais! J'ai eu du cul. Bordé de nouilles même le cul. Et enfin, Terral. C'est ce qui remplace malheureusement le Celebi. Là, à la place, en temps normal, vous avez un Celebi. Là, on a un Terral. Bon, moi, ça va. Le combat aurait été relativement facile. En même temps, c'est le randomizer, je peux pas y faire des masses de grand chose. Et Kitsune prend son niveau 27. Parfait. Alors, qu'est-ce que t'as à raconter, toi? Ouah, c'était trop bien! Je commence à me dire que la prophétie elle parlait de toi et pas de moi. Ah, j'aimerais trop pouvoir la lire. Genre comme ça je serais sûr. Enfin bon, il faut que t'ailles parler à Damien. Il a l'air digne de confiance. Donc je lui ai parlé de Célébi, mais en fait, je pense que j'ai oublié de lui dire à quel point c'était trop important qu'il ferme sa gueule. Tu pourrais faire ça? Genre la dernière fois que j'ai entendu, bah il allait à Vipic pour aller défier Xavier. Je le ferai bien moi-même, mais j'ai d'autres choses à faire. Allez, salut! Du coup, on a gagné... Non, bah non, bah non, là, 3200.
Moi je dis, comme on n'a pas utilisé de potion contre Nora, on va aller chercher le 9. Et, tant qu'on y est, on va faire le petit changement. Donc Elsa va aller au PC et Cleaver va prendre sa place, puisque c'est ce que la majorité d'entre vous a voulu. Donc Elsa, tu reviendras s'il arrive quelque chose à Cleaver. Voilà. Et en plus de ça, bah non, attends, je suis en train de me dire, il faut que je fasse une place dans le PC pour pouvoir mettre l'œuf. On va stocker Goumi, voilà. Alors, Monsieur œuf, il était là, je crois. Ouais, c'était lui. Ouais, vas-y, donne. Donc du coup, on a un œuf, ça donne quoi au niveau de l'éclosion? Ouais, bon. On va le mettre dans le PC, je pense que je le ferai éclore en off. Comme ça, je vous montrerai le résultat. Quand j'aurais pensé à le faire avec l'or. Donc, peut-être au prochain épisode, mais probablement pas, me connaissant, hein. J'adore comme Goumi a l'air tout petit à côté d'Onyx au niveau du sprite, et genre, c'est Goumi. Bonjour. Allez, il y a par là mon petit Goumi. Et on va essayer de trouver Monsieur Pikataxi pour partir à Midnatown pour échanger lui, là. Pour être contre un Elekid. Parce qu'Elekid, ça pourrait être un bon ajout à l'équipe aussi, un type électrique. Ça fait jamais de mal. Alors, on va rentrer là-dedans. Yop. J'adore cette phrase. Mais comment le couple de la pension peut ne pas savoir ce qu'il se passe? Ils ont jamais entendu parler des étourmiers et des dardarnians? Bah oui, les oiseaux et les abeilles pour... comment dirais-je? Comme le dit bien la chanson, what what, in the butt, I said what what, in the butt. Ah, la règle 34, comme on dit. Hein. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas fait attention, regardez sur quelle route se trouve la pension de Pokémon Or et Argent. Eh oui, cette pension se trouve sur la route 34, en référence à... Enfin, je ne sais pas vraiment ça en référence, mais c'est la coïncidence de la règle 34. Alors, cette ville porte le nom de Mechi, l'un des champions d'arène lorsque la région fut fondée. Elle avait une arène de type fée. D'accord. Ok. Et je suis en train de me dire, on n'a pas eu de rencontre officielle puisqu'on est la rencontre statique de la télé. Donc on va s'en choper une dans ce petit bout de... dans ce petit bout d'eau. Et il s'agira de... d'un gros love disc. Mais qui n'est pas son évolution. Et bah du coup, je pense qu'on va y aller à coup de bulle d'eau. Ouah, aïe! Je pensais que ça ferait moins mal que ça. Bon bah c'est parti pour des Pokéballs. Est-ce que je t'appelle pas love disc toi? Je pourrais si j'étais un gros troll. Allez, on continue les tentatives de Pokéball. Et ben voilà! On a un gros love disc. Alors, gros love disc. Donc ils vivent dans l'océan. Ouais, puis lorsqu'ils trouvent un Pokémon blessé, ils l'amènent sur la mer. Ok. Eh ben on va t'appeler comment? On va t'appeler comment? Bah ouais, le nom là. On va t'appeler... Vas-y, je vais t'appeler Palove Disc. Voilà. je le fais, rien à foutre. Je t'ai parlé à toi? Ah bah voilà, Monsieur Pikataxi est là. Ok, donc t'as couru depuis Kanto, mais t'es malade, monsieur. Bonjour. Attends, wait. Merde, j'ai pas 500 Poké. Le pire, c'est qu'il me faudrait 1000 même. Bon, on va aller vendre des trucs. Hein. Il me faut 1000, j'avais zappé. Il me faut pour faire l'aller-retour, j'avais oublié. Bah là, limite, les copains ball, ça vaut 150, c'est pas assez. L'honor ball, c'est comme une pokéball de base. Qu'est-ce qu'on peut vendre? À la cookie, ça vaut 100. Alors, qu'est-ce que je peux vendre? Le problème, c'est que tous ces machins, je peux en avoir besoin. Les gemmes, ça se vend 100. Ouais, en plus, je refuse de me farcir l'aller-retour à pattes. Au pire, on sait quoi? On va progresser un peu, on va affronter 3-4 dresseurs et on revient. Parce que je veux faire ça dans cet épisode, parce que sinon on va encore me dire « Babou, t'as oublié, Babou, t'as oublié !» Ah bah oui, hein, j'en fais qu'est-ce que je peux, les gens. Sinon, tant qu'on y est, je pense que plutôt que de meubler avec du Nawak, je vais faire un peu comme je faisais dans Pokémon Zeta, si vous aviez suivi la série. Plutôt que de meubler en disant du grand Nawak... Oh, un bandeau, merci monsieur. Ah oui, et ce monsieur-là nous donne une base secrète, mais ça coûte 5000, on n'a pas 5000. Je disais, je vais meubler un peu en parlant des questions du jour, parce que je vais réintroduire des questions du jour un peu plus... Bon, on va pas vraiment dire méga personnelles,
mais des trucs qui ne parlent pas forcément de Pokémon. On va être plus large à ce niveau-là. Et la question du jour d'aujourd'hui va être quelque chose de relativement simple, relativement pas très personnel d'ailleurs, mais c'est simplement que, on va dire, une partie de ce qu'on a fait à la soirée où j'étais hier soir m'a donné l'idée. On va parler un peu de jeux de plateau et de jeux de société, et j'aimerais savoir si vous, qui me regardez là, qui êtes devant votre ordi, que je pointe du doigt à la caméra comme ceci, vous jouez à des jeux de plateau, des jeux de société, et si oui, pas forcément me lister tous les jeux auxquels vous jouez, mais me dire lesquels sont vos préférés, par exemple. On va faire ça comme ça. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'avoue que niveau jeu, on va dire, il y a les grands classiques, hein, genre le Monopoly, la Bonne Paye, le Uno, c'est des trucs qui sont relativement indémodables, et qui permettent généralement de passer un bon moment, ou de perdre ses potes s'ils vont jouer au Uno. Après, niveau jeu de plateau, j'en ai découvert pas mal par l'internet justement de mon cousin et de sa copine, qui sont de grands amateurs de jeux de plateau, et qui m'ont initié à pas mal de jeux que je connaissais pas, comme par exemple... Oh, attendez, il y a une trouée cachée, on va aller voir s'il y a quelque chose. Oh, on sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette trouée cachée? Floravol. Cleaver, tu vas prendre l'XP, allez, poursuite. Voilà. Donc, en termes de jeux un peu plus particuliers que j'ai découvert, il y a probablement ce qui est l'un des grands classiques du jeu de plateau moderne, le Time's Up. Ça, Time's Up, si vous ne connaissez pas, c'est que vous avez des cartes, enfin des petites cartes, sur lesquelles vous avez des noms de personnalités. Par exemple, j'ai n'importe quoi, vous allez regarder sur un truc, vous allez avoir Chuck Norris. Vous avez plusieurs manches. La première, vous allez devoir... en gros, dire des trucs pour mener à Chuck. Genre, vous pourriez dire par exemple, c'est un acteur relativement vieux qui a plein de facts parce qu'il est génial. Ce genre de conneries. Voilà. Ensuite, vous avez la phase 2 où vous n'avez le droit de n'utiliser qu'un seul mot. Mais pas plus, un seul mot. Et c'est là que ça devient chaud patate. Parce qu'il faut trouver le bon mot pour parler de Chuck Norris. Vous pouvez dire fact par exemple, pour dire allez, Chuck Norris facts. Phase 3, le mime. Et bien sûr, il faut la fermer pendant le mime. Et imaginez... On va peut-être essayer de se reconcentrer un petit peu. Mais je vais quand même essayer de continuer ce que je vous racontais. Et des fois, vous devez mimer des trucs et vous avez bien l'air con à essayer de mimer genre... Genre, allez-y, genre la dernière fois, on a eu Stevie Wonder. Premier réflexe était de me couvrir comme ça parce que derrière la nouvelle, le monsieur est aveugle. Moi, je confonds avec Ray Charles, ce qui est pas impossible. Allez, Marika! Enfin voilà, ça peut vraiment donner lieu à des situations relativement drôles. Oh, punaise. Il me faut du spécial. Qui tenait là. Et puis voilà, il y a vraiment moyen de passer un putain de bon moment avec ça. Après niveau... Je te hais, saleté radioactive. Après, au niveau des jeux bien marrants qu'on peut faire, il y a le Dixit, je sais pas si vous connaissez celui-là. Dixit, en gros... Oh putain, mes points de vie. Oh putain, mes points de vie, bordel di fuck. À force de parler de n'importe quoi, je finis par ne pas être foutu sur ce que je fais. Donc, je disais, ouais, le Dixit, en gros, c'est... on va donner 5 cartes avec des images à chacun, et... Oh punaise, j'ai bien fait de racheter des fucking potions, je suis en train de me faire chier. Je suis en train de prendre cher contre un mouchana. Voilà. Oh oh. Est-ce que je viendrai pas de faire une connerie là? Est-ce que je ne viendrai pas de... Si, je viens de faire une connerie. Et c'est Kitsune qui prend. Bon. Eh ben, j'aurais tenu presque 8 épisodes sans perdre de Pokémon. Qui va pouvoir gérer ça? Et quel âge tu devrais pouvoir? Bon, je vais finir ce combat, et je vais pouvoir parler des règles de jeu à tête reposée. Oh punaise, il tient encore, allez, dégage-moi ça, espèce de vilain radioactif, là. Ok, et Tritosaur, ça c'est Tritosaur, je peux gérer. Ah, on a perdu un Pokémon.
fallait que ça arrive à un moment donné. Même si ça me fait chier, je veux dire, Kitsune, quoi, c'est assez bon, c'était un fenard. Évolution finale, c'était un bon. Mais bon. Ah, la dure loi du Nuzlocke, j'ai pris un risque et... Le jeu, il a fait... Nope. Allez, on finit ça vite fait. Voilà. Donc, je reprends ce que je vous racontais sur les règles du Dixit. Ah, il veut apprendre Balayette. On va retirer... On va retirer Hâte parce que Fauchage, ça peut être vachement utile pour les captures de Pokémon. Donc, le délire de ce machin, c'est que au début de la partie... Oh, attendez, nouvelle route, nouvelle rencontre. Et c'est un Lamantine. Pourquoi pas. Bon, on va peut-être switcher par contre et on va envoyer... Kalash. Je pense que c'est le seul qui devrait pouvoir bien tenir ce qui se passe à ce niveau-là. Repos. Non, regarde, ah mais non, là. Voilà. Pourquoi tu spammes repos, je sais pas. Avec la glace. Avec la glace, et bien continue à spammer avec la glace comme un gros débile. Encore un coup, je pense. Encore. Je pense qu'on peut tenter une boule. On va tenter une super. Excellent. Excellent. Par contre, je sais pas si je pourrais réutiliser le surnom du Wedlock à ce niveau-là. 28 pour Kalash. Alors, donc le Pokémon, s'il aime, c'est Otari. 1m70 pour 120 kg, donc il aime s'endormir sur de la glace, très froide. Et certains ont cru que ce Pokémon était une sirène il y a 1000 ans. Bien sûr, bien sûr. Et je vais t'appeler... Bah du coup, l'histoire de la sirène, je vais t'appeler Ulysse. En référence à, l'Odyssée d'Ulysse. Donc, je vais arriver à caser ces histoires de règles de jeu. En plus, c'est un jeu qui peut être vachement rigolo. Donc, je disais, au début de la partie, chaque joueur va recevoir 5 cartes avec... Enfin, qui vont représenter des scènes, concrètement. Mais relativement bizarre. Et l'idée, c'est que vous allez prendre une de vos images. Quand c'est à votre tour, vous allez prendre une des cartes où il y a vos images. Et vous allez la mettre face cachée sur la table. Et vous allez dire un truc à quoi ça vous fait penser. Sans dire, c'est ça. Vous allez dire, admettons, je sais pas, je dis n'importe quoi... Vous voyez des oiseaux en train de tirer une chaise avec un mec assis dans le ciel. Vous dites là-haut 2, comme le film, un truc comme ça. Et chacun va prendre une carte de sa main qui peut faire penser à ça, face cachée, on mélange. Et le but, c'est que suffisamment de personnes retrouvent votre carte, mais pas tout le monde, pour que vous puissiez marquer un max de points. Et le premier arrivé, genre à une trentaine de points, l'emporte. Ça peut être assez marrant. Bon, du coup... On va avoir besoin d'un nom pour la boîte des morts. Alors, il y a eu pas mal de bonnes idées aussi à ce niveau-là. On a suggéré le Valhalla, on a suggéré de dire ceux qui sont tombés, qui sont devenus des fanatiques. Ça, j'avoue que j'aime bien. Le Valhalla, j'aime bien aussi, parce que ça fait viking, ça fait métal. Le Panthéon, j'aime bien aussi, mais on l'a utilisé pour le Panthéon du Heavy Metal dans le Wedlock. Et je pense que si je refais un Wedlock Metal, attention, je risque d'en refaire un. Pas tout de suite, mais je risque d'en refaire un. J'utiliserai pour ça, donc du coup peut-être pas Panthéon. Ouais, je pense que Valhalla ça devrait aller. Audrey Novel, ça s'écrit comme ça. Voilà. Après, en termes de jeux de plateau assez sympa, il y a plein de trucs. Après encore une fois, ça dépend du concept que vous aimez bien. Et je veux dire, vous pouvez avoir les trucs tirés de jeux télé ou les machins comme ça, ça fait parfaitement l'affaire. Bon, alors ce qu'on va faire pour le reste de cet épisode, c'est qu'on va aller voir justement pour faire l'échange dont vous m'aviez parlé avec Couverdure. Donc, si je me souviens bien de ce qui m'a été dit. Si je vais à Midnatown, je peux échanger un type insecte contre un éléguide. On va aller voir. Alors, Midnatown, c'est ici. Et il faut retrouver la maison. Alors, est-ce que c'était où? C'était qui? C'était toi? Non. Est-ce que c'est toi? Non, ça c'est Fantominus contre un... Non, les deux là, ça va pas. C'est toi? Non. Alors, c'est... Non, c'est quelqu'un dans une maison, je crois. Alors, on va aller faire la maison là. Est-ce que c'est... c'est toi? Non, c'est toi? Non. C'est toi? Non. C'est qui d'autre? Est-ce que c'est là? C'est toi? Non.
C'est toi? Non. C'est toi? Voilà, Elekid contre... Voilà, c'est celui-là. Bah du coup, je vais t'envoyer Pouette et envoie-moi un Elekid, s'il te plaît. Et s'il a des IV pas dégueulasses, on l'ajoutera à l'équipe. Et donc il envoie Thunderbolt. Ok. On va voir un peu ce qu'il vaut. Niveau 17. Nature mauvaise, c'est pas mal, ça a plus attaque, moins défense P. Statique. Ouh, mais ça pourrait être très bon pour un Élécable, ça. Bon, il a une attaque spéciale absolument naze de chez naze. Mais il a ce qu'il faut là où il faut. Pour le layout, comme ça Thunderbolt intègre l'équipe. Donc du coup, tu as éclair, balayage, météore et onde de choc. Bah c'est un bon début ça. C'est un très très bon début. Attends, tout ce qui nous manque, c'est un multi-exp pour pouvoir les faire monter passivement. Alors, le pic ataxi, il est où? On va le reprendre pour revenir à la ville. Et du coup, ça, avec toutes ces histoires de... Avec toutes ces histoires de combat, on n'a pas pu faire grand-chose. Mais, malgré tout, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite votre avis, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas en plus à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, même à parler à la chaîne autour de vous, si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. Et donc, en attendant la suite, on va probablement faire le bout de chemin qui va nous séparer de Vipic City. En attendant tout ça, moi je vous remercie une fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ouais.